Eh bien, nous sommes en présence d'un Oberonnais, pour lequel en concept lacanien, le réel, le symbolique, l'imaginaire s'entrelacent. Oui, c'est-à-dire. Pour notre patient, la dimension fictive l'emporte sur le réel. Il se construit un univers imaginaire dans lequel il développe un objet égotique qui lui procure une satisfaction libidinale. Oui. Le sujet Boissel développe, comment pourrais-je vous dire ça, à la fois un syndrome autistique et psychotique. Structuré sur des notions d'essence mythologique et historique. Mais je vous assure que François est extrêmement troublant parce qu'il est très juste sur tout le plan historique. Mais les fous sont toujours troublants. Enfin, il n'est pas fou. Madame, laissez-moi faire mon métier.